Non, on connaît Rav Google, c'est tout. On a besoin de quelque chose, télécharge, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais j'ai tout, j'ai Rav Google. Je lui demande, télécharge, c'est gratuit. Ça. Aujourd'hui, quelqu'un avec Rav Google, il a une connaissance que jamais dans le monde, des gens, ils ont eu des connaissances comme ça. Dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, n'importe quoi qui te passe par la tête, tu peux lui demander à Rav Google, il va te dire. Comment je fais pour nettoyer le robinet en dessous, il est un petit peu noir. Tu vas trouver 10 000 personnes qui ont trouvé une solution sur ça. Il va te donner. Alors que toi, tu peux passer toute ta vie, tu ne vas pas le trouver. Il va te donner 10 000 méthodes. C'est gratuit, c'est un pélé, c'est gratuit. Combien de choses on veut faire des fois? J'ai acheté pour mes petits-enfants, avec ma femme, on a acheté un lit comme ça, un lit pour le bébé, il fallait le monter, mais maman, c'est compliqué, c'était pas. Alors on essayait tout, après j'ai dit à ma femme, mais attends, mais il y a Rav Google. Alors, je tape la marque du lit, les trucs, et tu as fait une vidéo. Hein, tu regardes, tu fais tac, tac, voilà, le lit, tu l'as monté. Pourquoi tu l'as? Parce que tu sais rien. Parce qu'à un moment, tu t'es tellement pris la tête que tu es incapable. Tu es incapable. Ok, hein, Rav Google, aide-moi. Mais voilà, pas de problème. Il y a quelqu'un, il a fait ils ont fait des vidéos. Alors tu regardes la longueur de la vidéo pour le plus court. Parce que tu ne veux pas passer 20 minutes. Tu regardes qui est-ce qui peut t'expliquer le plus vite. Que voilà, combien il va, le plus vite qui va t'expliquer comment tu vas monter. Là, tu regardes, tu fais ce qui t'était. Ça y est, c'est réglé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Maintenant, tu veux te prendre la tête, tu vas te prendre la tête, tu vas perdre des heures. Les gens, ils veulent se marier, ils veulent du shalom bayit, ils veulent éduquer les enfants. Mais mendi, c'est tout. Mendi. Il y a des gens, ils m'ont demandé, mais comment on fait avec les enfants? C'est pas difficile. Lève-toi la nuit. Prends le Tehillim et tu vas réussir l'éducation de tes enfants. Tu vas avoir des enfants des tzadikim. Mais va apprendre la méthode d'éducation, des trucs, les ta-ta-ta-ta. Ça peut marcher aussi, mais c'est pas le même niveau. Tu peux arriver au même niveau. Mais quand tu m'en dis, tu arrives à des niveaux extraordinaires. Comment tu es arrivé à ça? Parce que tu as menti, c'est tout. Tu veux du shalom bayit? Tu m'en dis, lève-toi la nuit. M'en dis. Combien de fois des gens ils viennent, ils demandent des conseils, ils arrivent ici, des problèmes de shalom bayit, des situations catastrophiques. Il dit, va au Kotel. Va au Kotel. Va tous les jours au Kotel. Et tu demandes à Hachem. Tu lui demandes, voilà. S'il te plaît, Hachem. Mais le problème, c'est que les gens, ils croient qu'ils sont arrivés à un certain niveau. Ce qui leur manque, c'est juste de compléter. Mais eux, ils ont déjà quelque chose, mais ils doivent compléter. Et maintenant, ils ne sont pas bien parce que ce complément, ils n'arrivent pas à l'obtenir. Mais si tu sais que tu n'as rien, ce n'est pas compléter, que tu n'as rien du tout, alors ça va, tu es libéré. Tu sais qu'il n'y a que la mendicité, c'est tout. Mais tant que tu crois que tu as quelque chose, et maintenant, la partie que tu dois compléter, c'est ça qui est difficile. Mais tu vas te prendre la tête, ça va être très très difficile. Parce que tant que tu ne reconnais pas que la première partie, elle t'a été donnée cadeau, tu vas vraiment te prendre la tête. Ça va être très difficile. Jusqu'à ce que tu comprennes que ce que tu as déjà eu, c'était déjà un cadeau. Ce n'était pas toi. Que d'après toi, il n'y a rien. Maintenant, tu as fait cadeau ça. Comment tu as fait cadeau ça? On va te faire cadeau le reste. Alors tu vas commencer à mendier, c'est tout. Rabbeinu dit, tu peux tout obtenir. La mendicité, tu peux tout obtenir. Quelqu'un, il a dit, j'arrive pas à étudier et tout. Rabbeinu a dit, demande à Hachem. Avec la prière, tu mendies, tu peux tout obtenir. Tout obtenir. Tu n'as pas de tête, tu peux obtenir une tête. Tu n'as pas de cœur, tu peux obtenir un cœur. Tu n'as pas ça, tu peux obtenir ça. Tu as un défaut, tu peux l'enlever. Avec la mendicité. Si tu as compris ça,
Ça y est, tu as fini avec ce monde-là. C'est terminé. Il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Rien, rien.